seigneur, avance tas de ferraille. Non, parce que je vous explique, je me promenais tranquillement dans mes petits marais. Donc on est sur MudRunner aujourd'hui, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo qui s'annonce extrêmement sensationnelle. Bon, on va dire qu'en termes de transport routier dangereux, on a Euro Truck, tout va bien. Et on a MudRunner qui est juste un level up. Et là je peux vous dire qu'on est sur quelque chose de bien galère. Je vais devoir prendre mon treuil. Voilà, tout doucement, tout doux, tout doux, tout doux. Vas-y, vas-y ma belle, vas-y. C'est bien, tu y es presque. Voilà, yes, 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 c'est bon, je suis sorti du bourbier. Enfin, j'ai envie de dire. Et là, vous allez me dire, non mais Jolat, t'es encore avec tes camions, mais c'est pas possible. Alors certes, la vidéo sur Euro Truck en VR n'a pas remporté un franc succès. J'en referai pas, pas de panique. J'ai compris, alors c'est vrai que la VR sur Euro Truck, c'est juste excellent à jouer, c'est un bijou. Mais par contre, effectivement, à regarder en vidéo, même moi, honnêtement, je me suis dit, après réflexion, après l'avoir mise en ligne... Oh, c'est pas tétère quoi. Mais au moins ça avait le mérite de vous montrer à quoi ça ressemblait. Mais là cette fois-ci pas de panique, on n'est pas en VR. Donc on est sur MudRunner. On est bien sûr sur la dernière version de MudRunner. J'y avais déjà joué il y a un petit moment. Oh putain, c'est pas vrai que je suis coincé. Oh, vas-y mon vieux, sors-moi de ce bourbier. Sors-moi de ce bourbier. Ouais, yes, c'est bon, on y est. Je suis sûr que vous avez déjà forcément vu une émission comme ça. Les transporteurs de l'extrême, les convois dangereux et tout. Moi perso, ce genre d'émission, j'adore, je kiffe. Bon, je vais vous montrer un petit peu la map. Je vais vous expliquer un petit peu le but du jeu si vous ne connaissez pas. Alors j'ai déjà fait des vidéos sur MudRunner, hein. Il me semble que j'en ai fait une ou deux, peut-être trois, je ne sais plus. Donc bien entendu, nous sommes un transporteur de l'extrême. Et là notre objectif, ça va être de livrer 8 points de chargement à chaque série. Donc vous voyez qu'on a une série ici, mais avant de livrer ces points de chargement, il faut qu'on découvre un petit peu la map. Alors pour déverrouiller la visibilité de la map, c'est très simple, il suffit, enfin très simple, la façon de parler, il suffit de se balader de point de vue en point de vue. Et donc tout simplement la map va s'éclaircir au fur et à mesure. Alors nous va falloir qu'on aille voyager jusqu'ici, la station de chargement, kiosque à rondins. En fait il va falloir qu'on charge des rondins dans notre camion et qu'on aille les livrer dans les scieries. Bon alors déjà c'est clair que ce n'est pas aussi simple que je le dis, mais en plus va falloir s'équiper de nouveaux équipements, des grues sur le camion, des remorques spéciales. Et là je vous avoue que je suis un peu dans le bourbier en ce moment. C'est un truc de fou. Ah yes, regardez, yes yes yes, point de vue. Il suffit juste que je rentre là-dessus et normalement on est bon. Alors bien sûr, on est avec le petit volant, G29. Je vais vous mettre une petite vue volant, comme ça je pense que ce sera bien cool pour vous. À mon avis ça peut être intéressant. Yes, carte disponible. Oh c'est cool. Alors normalement maintenant regardez, si j'ouvre la map, eh ben voilà, j'ai découvert un nouvel endroit de la map. Je pense qu'on va aller se balader maintenant. On va aller au prochain point de vue. Vous voyez qu'on a un kiosque de chargement ici. On a une station service, donc il va falloir remettre de l'essence et tout parce que c'est super RP. Faut pas bousiller le moteur, machin nana. Enfin, il y a vraiment beaucoup beaucoup de trucs qui rentrent en compte dans ce petit MudRunner. On est ici sur de la simulation, hein. C'est pas de l'arcade, clairement. Alors on a également une petite vue intérieure qui est plutôt très sympa. Alors attendez, comment je vais faire là? D'accord, d'accord, d'accord. Écoutez, on va essayer de se balader par ici tranquillement. Alors pareil, quand vous êtes embourbé, il y a un truc qui s'appelle le blocage différentiel. Donc en fait, le blocage différentiel, c'est tout simplement... je sais pas trop comment expliquer, mais ça fluidifie les roues quoi quand vous l'enlevez. Et dès que vous le mettez, tac, voilà, toutes les roues deviennent... enfin, je crois. Non? Putain, j'en sais rien en fait. Je crois que je raconte de la merde. Je vais laisser ça aux experts. Expliquez-nous c'est quoi le blocage différentiel, s'il vous plaît. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il faut le désactiver, le réactiver un petit peu quand vous êtes embourbé. Ça sert extrêmement beaucoup. Donc, voyez qu'en bas à gauche, donc justement... Oh putain, j'ai calé. Donc justement, il est dit si on a le blocage différentiel d'activer, de désactiver, si on a le frein à main demi, on a le treuil, on a notre consommation par litre au niveau du carburant, on a les dégâts sur le camion... Vous voyez que j'ai pris 2-3 petits dégâts. C'est quoi 2-3 petits dégâts? C'est rien du tout. Vas-y, on attache ça. Allez mon gars, treuille-moi ça, treuille-moi ça. Franchement, je crois bien que les pires émissions au niveau des transports extrêmes comme ça que j'ai regardé, je crois qu'ils se passent en Indonésie. C'est un truc de fou. Vous verrez les mecs bosser dans la gadoue et tout. T'as carrément des convois, des bus, des voyages de bus qu'emmènent d'autres personnes et tout qui passent sur les mêmes routes. Sur les mêmes routes. Tous les 30 mètres t'as des assistants qui sortent. Le conducteur est obligé de sortir avec, foutre des cales sous les roues, tirer des treuils et tout. Enfin c'est juste un truc de malade. Et perso moi je kiffe ce genre d'émission. Vraiment quoi, j'en ai regardé beaucoup. C'est tellement galère, mais c'est tellement stylé en même temps. Alors bien sûr que je suis tout en manuel, hein. Embrayage, la boîte manuelle, tout, la totale, hein. Le volant en 900 degrés, bien réglé. Allez mon gars. Oh, hop 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 hop.
laisse tomber la couille que j'ai failli faire. Oh, ce truc de fou. Oh, excellent. Le convoi de la peur, quoi. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film. Et justement, ça traite un petit peu de ce métier. Alors pareil, l'émission qui parle de transport que je kiffe regarder, ça s'appelle Les Routiers de l'Extrême. Vous savez, c'est ces routiers qui font tout le temps des livraisons au Canada, en Alaska, au Québec et tout. Avec des intempéries de ouf, ils passent sur des lacs gelés et tout. Enfin franchement, cette émission, elle est juste géniale quoi. Vraiment, je kiffe. Bon, on s'en sort plutôt bien pour le moment. On va tenter d'aller déverrouiller l'autre petit point de vue. En tout cas les gens, si vous kiffez, n'oubliez pas le petit like. Bien sûr, ça fait toujours plaisir, je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Toujours, vous avez la chaîne secondaire dans la description. N'oubliez pas également que vous pouvez me rejoindre sur Twitch tous les mercredis à partir de 14h. Oh yes, nouveau point de vue. Allez mon gars, yes, ça c'est cool. Yes, yes, yes. Alors qu'est-ce qu'on a déverrouillé? Oh, on a un garage juste ici. Eh ben écoutez, on va aller jusqu'au garage. Voilà, on va se faire ça. Oh, regardez ça, on a un nouveau garage juste en face de nous. Aïe, 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 au niveau de l'essence là Oh, ça va, ça va, ça va. On a encore de l'essence, tranquillement. Bien sûr, toujours, n'oubliez pas les gens, si vous voulez vous procurer le jeu, vous avez le petit lien G2A dans la description. Allez, on tourne, on tourne. Yes, nouveau garage déverrouillé mon gars. Alors bien sûr il y a plusieurs types de camions. Il y a des 4x4 également. Tout ça, ça va se déverrouiller au fil du temps qu'on va découvrir la map. Oh, une station service, good. On va pouvoir mettre un peu d'essence, tranquille. Voilà, yes, ça c'est cool, regardez. On va faire le plein. Voilà mon gars. Eh ben ça y est, ça se fait tout seul, nickel. Impeccable, le plein a été fait automatiquement. Alors où est-ce qu'on est sur la map? On est là. On a un autre point de vue juste ici. Ça va pour le moment, on a l'air de se diriger. Oh putain, là ça va être la gadoue les mecs. Et là à mon avis, déjà une fois qu'on sera arrivé là. Alors c'est dans 137 mètres, c'est vraiment pas loin hein. Mais 137 mètres dans le jeu, c'est quand même c'est très éprouvant à faire. Alors toujours, je ne le répéterai jamais assez, mais n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur ma chaîne secondaire qui est dans la description également. Je fais pas mal de jeux dessus. Bon, en ce moment, il y a surtout du Euro Truck et du No Man's Sky, parce qu'on va dire que c'est un peu les deux jeux que je colle du moment. Et pourquoi pas, attendez, et pourquoi pas un petit peu de Mud Runner, j'allais vous dire. Ah ouais, bah en fait ça va très vite, 137 mètres hein. Ça va extrêmement vite mon gars. Oh, par contre il est tellement bien fait le jeu sur la physique et tout, vraiment oh putain. Ah, ce qu'il y a c'est que tu vois, ouais, faut qu'on traverse. Ah, je suis peut-être pas obligé de passer dans l'eau non plus hein. Voilà, je peux passer. Je peux passer sur le côté tranquille. Allez, un petit effort, on va se mettre un petit treuil. Ouais, juste ici, tranquille. Ah putain, si je suis coincé, c'est mort. Ah, j'aurais pas dû passer dans l'eau quoi. Ah, c'est mort. Écoutez, celui-là, je vais le laisser là. Du coup, ça va me permettre de vous montrer une autre facette de gameplay. En fait, si vous voulez, je vais aller chercher mon petit 4x4, voilà, qui est juste ici. Et du coup, je vais aller aider mon camion, tout simplement. Est-ce qu'il y a le blocage différentiel là-dessus? Ah ouais, il y a le blocage différentiel aussi hein. Putain, ce délire, je suis déjà embourbé quoi. Je viens de partir, je suis déjà embourbé. Ah, c'est pareil, ça c'est critique. Ça c'est des endroits critiques quand t'as des mares de bouillasse comme ça à passer. C'est... ouais putain, tu vois. Ah, c'était sûr quoi. Faut que je me sorte de là là. Allez, vas-y mon gros. Vas-y, sors. Yes. American fuck yeah. Ça passe mon gars. Oh la connerie que j'ai faite mon vieux. Oh la connerie que je t'ai pas faite là dedans. Voilà mon gars, voilà, voilà. Yes, 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 yes. Ah yes. Putain, un petit peu de terrain bon, plus ou moins plat. Ah, ça fait plaisir de retrouver un petit peu de terrain comme ça. Je vous propose une petite vue intérieure. La vue intérieure après, je trouve. Bon, mis à part pour rouler sur les terrains sur les terrains plats on va dire, c'est pas la plus pratique. Non, vraiment la plus pratique c'est celle-ci quoi, tu vois. Au moins, tu vois où est-ce que tu accroches ton treuil ou quoi. D'ailleurs, on va l'accrocher là. Voilà, voilà. C'est bon, terrain plat, yes. Allez, on continue, mon gars. Alors, c'est pareil, tant qu'on parle de jeu de camion, je me suis laissé entendre dire, d'ailleurs, la dernière fois, j'en ai parlé un petit peu en live, ils vont faire un espèce d'Euro Truck Simulator sur la PS4. Donc, vraiment, ça, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas de PC et qui ont une PS4. Parce que, franchement, Euro Truck, en vrai... bah moi perso hein, je trouve, mais c'est vraiment un putain de bon jeu quoi. Aïe 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 aïe, j'aurais pas dû faire ça. Donc voilà, pour l'instant il n'y a pas vraiment de date. Il y a eu une bêta privée je crois de ce jeu là. Le jeu il s'appelle, vous regarderez si vous voulez, ça s'appelle Truck Driver. J'ai vu un petit peu de gameplay et tout, franchement ça a l'air vraiment stylé. Alors après bien sûr, putain dis-moi pas que je peux pas attacher mon truck quelque part là. What? Il me faut juste un poids d'ancrage. Voilà, où attacher mon treuil. Donc voilà, oui, ça peut être pas mal. Franchement, j'ai vu un petit peu de gameplay de Truck Driver, justement. Et
Bon, après, forcément, oh, niveau de dangereux. Voilà, je sais pas si je lâche le câble, à mon avis, je repars en arrière. Donc ouais, forcément, c'est vrai qu'après, je trouve, bah, c'est un petit peu normal, mais ça vaut pas Euro Truck Simulator 2, c'est sûr. En même temps, Euro Truck Simulator 2, ça fait déjà un moment qu'il est en développement. Même si je trouve que pour ce jeu, il laisse énormément de travail aux modeurs. Tu vois, ils sortent le jeu et puis ils disent, vas-y, les modeurs, démerdez-vous, vous ferez des trucs bien. Et c'est ce qui se passe en plus. Hein. Les modeurs font des trucs franchement bien. C'est mort, c'est mort. Ah, quoique... Oh ! Oh merde! Bon, écoutez, pas de panique! Pas de panique! Ça va! On va aller chercher... Attendez, je peux pas bouger avec celui-là, vraiment? Si seulement j'arrivais un petit peu à me tirer de là... Allez, oh oui! Oh oui, 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 oui! Stop, 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 stop. Stop, stop. On y va tranquille, on y va tranquille, regardez. Du coup, j'ai même pas besoin du 4x4. Par contre, le 4x4, j'irai le détacher justement avec l'autre camion, je pense. Je vais faire une marche arrière directe. Je peux pas passer par ici. Voilà, on va plus faire le tour comme ça. Faut juste pas que j'embourbe le camion. Et si j'arrive à me sortir de là, franchement, on est bien. Ça risque d'être un long et fastidieux chemin. Oh, ce truc de fou, c'est quoi ça? What? C'est quoi ça? Il y a des étincelles qui sortent de mon camion, mon gars. Oh là là, ce délire, il y a le camion qui va exploser tout à l'heure, mon gars. J'ai l'impression qu'il y a un réservoir qui est dans le mal, là. Ouais, 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 ouais. On est bien, on est bien, on est bien. On est bien. Oh, putain, j'ai réussi à me dépatouiller de là-dedans. Ce truc de fou, mon vieux. Putain, je suis en train d'arracher tous les arbres, la totale. On va passer par la gauche, regardez. Voilà, on aura plus de place par ici. Fou. Oh, putain. On retrouve de la route à peu près convenable. À peu près convenable. Pas tout à fait. Je vais peut-être activer le blocage différentiel. Des fois ça y fait, je l'active, je le désactive. Par contre je sais pas s'il y a moyen de réparer le camion d'un mudrunner. Moi je pense que si, hein, dans les garages justement. Allez mon gars. Ah, je sais pas si l'arbre va tenir. Vas-y. Fou, yes. Oh putain, comment que c'est chaud mon gars. J'ai quasiment déverrouillé toute la map. Il nous reste juste un point de vue à déverrouiller. Putain, ça va être dur de sortir de là-dedans. Hein. Ça va être extrêmement dur de sortir de là-dedans. Mais faut qu'on retourne sur la route. Y a pas le choix. Allez, vas-y, recule, 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 recule. Ah, yes. Un petit peu de route normale. Oh putain, on y est. Non, embourbe-toi pas maintenant, mon gars. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, laisse tomber. Putain, je me suis foutu dans une zone marécageuse. Putain, c'est horrible. Je suis embourbé juste à côté du point de vue. Allez, un petit effort, mon gars. S'il te plaît. Allez, allez, on est presque sorti. On est presque sorti de là. Yes. Allez, on y est presque. Il reste pas grand chose. Il reste quelques mètres. C'est les derniers mètres les plus durs. Wouh! Carte disponible! Une petite musique pour s'ambiancer là. C'est magnifique. Ah bah là, on a tout débloqué. Par contre, putain, cette zone, mon gars. Oh. Mais pour sortir d'ici, on va tenter de retourner sur la terre ferme. Mais franchement, là, il n'y a rien de sûr. De la bonne bouillasse, comme on l'aime. Parfait. On va s'arrêter là. Au moins, on n'est pas perdu. C'est nickel. Je mets le petit frein à main. On a débloqué absolument toute la map. Franchement, c'est parfait. Bon, en tout cas, les gens, si vous avez kiffé et si vous voulez en voir d'autres, eh ben, n'hésitez pas à mettre le petit like. Nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et ciao tout le monde. Bye bye.